Non! Mais tu es fou, non? Imbécile! Attrapez-le! Tu as l'assassin ce soir-là! J'allais te tuer! Espèce de chienne, ma mère! Je l'ai assez! Assez! Tu vas faire ce que je veux, oui ou non? Non, non, non! Bah. Et non! Bah. Sita! Sita! Père de Sita! Père de Sita! Quoi? Quelles sont ces manières de me réveiller si tôt au premier chant du coq? Mais le soleil est déjà haut. Quoi? Le soleil est haut? J'ai déposé ton eau. Et c'est maintenant que tu me réveilles? Quelle femme! Père de Sita, s'il te plaît, peux-tu m'acheter de la cola? Avec quel argent tu veux que j'achète de la cola? Imbécile! L'argent, tu as la chose. 60 000 francs. Super. Ah non, non, non. À l'approche de 20 ans, je peux avoir ce mouton à 100 000. Vivez. D'accord. On boit jusqu'à demain. Allez. Vivez. Allez. Ça va. Ah, Alpha. Bonjour. Ça va. Ça va bien. Vivez. Allez. Ça va. Merci. Merci. Te voir. Aujourd'hui quoi? Ah, bien, super! Bonne nuit! Ami! Ton dolet est beau! Le meilleur! Ami! Donne-moi 50 francs de dollars tous ces gars-là! Merci! Comme dans le sud! L'ami, ta fille là, elle est bien mûre maintenant là. S'il y a personne pour l'épouser, et moi j'en ferai ma quatrième femme. Avec plaisir. Arrête de dire des conneries comme ça là. Quoi? Moi con? Ça ne te va pas non? Moi j'ai trois femmes comme toi à la maison. Personne d'entre elles ne me traiter de telle sorte. Ça n'engage qu'elle. Sache bien que si tu ne seras pas la femme d'un soulard comme toi. Merci, merci. Ouais. Moi, Soula, hein? Moi, Soula, toi, une femme libre comme moi, Soula. Bonjour, grand frère Drissa. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je n'achète rien. Je suis venu te voir. Me voir? Oui. Alors, prends place. Grand frère, je suis venu te voir. Si c'est pour avoir de l'argent, tu perds ton temps. Je n'en ai pas. Grand frère, ce n'est pas pour de l'argent. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. En raison de notre longue amitié, j'ai décidé de te donner ma fille Sita en mariage. Libre à toi d'en faire ta femme ou de la donner à qui tu veux. Je te remercie, petit frère, pour cette marque de confiance. Seulement, laisse-moi le temps de réfléchir. Je te donnerai ma réponse ce soir. Merci beaucoup. Merci.
Drissa, il t'a raoué. Son commandant Bakouma. Drissa, le lion de la jungle. Yeliva, une minute d'attention, s'il te plaît. Merci. Les amis, si on s'est réunis tous comme ça ce soir-là, c'est pour une très bonne cause. C'est à propos de ma fille. Bonsoir. Ça va, on est occupé là. C'était juste pour vous saluer. Oui, c'est bon, merci. Je disais que on s'est réunis ce soir. C'est pour une très bonne cause. C'est à propos de ma fille Sita. Et en présence de notre respectable chef, du vieux Issa, j'ai décidé de donner ma fille Sita en mariage à mon ami Drissa. En son Drissa, Drissa, valeureux fils, tu es reconnu dans ce village, même au-delà. Ta valeur, ta richesse et ta bonté. Ah, Drissa. Nous te remercions pour cette confiance. Mais n'est-elle pas déjà fiancée? Oui, mais cela fait des années qu'on n'a plus de nouvelles de son fiancé. Attention. Je ne veux pas d'histoire dans ce mariage. N'ayez aucune crainte, chef. Je rembourserai la dot, même 100 fois s'il le faut. Et je ferai de votre fille ma 5e épouse. C'est ta mère qui t'envoie. Non, je suis de passage. Tu pleures. On t'a frappé? Non, ce n'est rien. Bon, viens t'asseoir et explique ce qui ne va pas. Non, merci, tante, je vais rentrer. Tu vas rentrer? D'accord, je t'accompagne. Non, merci, tante, ça passera. Bien, sois sage. Rentre et explique ce qui ne va pas à ta mère. Hein? Je passerai la voir plus tard. Vas-y. Essuie tes larmes et rassure-toi. Ça ne se passera pas comme ça. Va écouter le conte chez les grillons. Ça t'aidera à oublier. Il y avait une grande famine. L'hyène, pour trouver la solution, avait remarqué que chez les lièvres, tout le monde était gras. Le père, la mère et les enfants. Mais comment faisait-il grand Dieu? Ce mariage n'aura pas lieu. Quoi? Sita, c'est ma fille là. Je la donne à qui je veux. Tu exagères. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça.
Quoi? J'allais te tuer. Espèce de chienne d'avance là. Chien! Non, c'est chien! Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'es même pas capable de me remercier. Ne me traite plus, de chienne! Il exagère ce sale fou. Hein? Des coups, toujours des coups. Va, tu la fermes. D'ailleurs, vous ne méritez que ça, vous les femmes. Des coups! Rien que des coups, voilà. Vous nous voilà. Prenez pour des bêtes, hein? C'est cela même, des ânesses. Ah oui, voilà. Si nous sommes des ânesses, alors vous êtes des sales pour nous monter. C'est moi que tu parles comme oui. Ça? Moi? Oui. Quoi? Voilà qui t'apprendra à insulter un homme. Voyez-moi ça. Opa! Oui! Opa! Oui! Oui! Aidez-moi! Aidez-moi maintenant! Bonjour. Bonjour. Mes compliments pour votre travail. Et ce que vous faites là est inestimable. Croyez-le. Tanawaré! Eh, Fana de Coro, le lion de la jungle! Tanawaré! Ta bonté est reconnue dans ce village, même au-delà! Tanawaré! Et Idrissa, Fama Dinkoro, ta valeur est reconnue dans ce pays. Ça, c'est pour ton prix de condiment. Tanawaré, ta richesse est reconnue dans ce village, même au-delà. Merci, Tanawaré. Et ça, c'est ma contribution au malheur de Salif. Tanawaré, ta richesse et ta bonté est reconnue dans ce village. C'est la contribution, Idrissa. Vraiment, Drissa, c'est trop. Je ne peux accepter. Mais non. Prends et remercions-le. Drissa, merci. Alors, tu fais la lessive aujourd'hui avec le savon local comme nous? C'est parce que mon mari traverse des moments difficiles actuellement. Mais il n'y a rien de rigolant à cela. Reste là qu'il traverse des moments difficiles. Tu ne sais pas que c'est une autre personne qui bouffe tout son argent. Quoi? Non, c'est pas vrai. Mon vieux ne peut pas me faire ça. Il m'aime trop et il me l'a toujours chanté. Reste là que ton vieux ne peut pas te faire ça. Et il t'aime. Et patati, et patata. Est-ce que ces hommes ont un brin d'amour pour nous? Tout ce qui compte pour eux, c'est leur plaisir. Je ne peux croire un seul mot de ce que vous racontez. Vous êtes jalouse. Nous jalouse? Regarde autour de toi. Ouvre les yeux. Tu es la risée de tout le village qui ne parle que de ça. Il ne reste qu'à fixer la date de ce mariage qui est pour bientôt. Les amis, vraiment je ne sais comment vous remercier. Seul Dieu vous le rendra. Vous avez tous été formidables. Je me joins à Salifou pour vous exprimer nos vifs remerciements. Merci. Bonne journée. Alain. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée.
Drissa. Hey, Drissa. C'est moi que tu appelles comme ça? Oui, tu as bien compris, c'est toi. Mais depuis quand m'appelles-tu comme ça par mon nom? Depuis tout de suite. Je veux l'argent du savon que j'ai pris à crédit pour laver tes habits. Et quelle est cette manière de s'adresser à son mari? C'est la manière que tu as choisie. Comment? Comment? Tu dis que tu n'as pas d'argent, alors que tu sors le distribuer à cette salope de Sita et à sa famille. Je distribue mon argent à qui je veux. Et celle qui n'est pas contente, gare à elle. Venez voir ce vieux qui a emballé la porte. Madame, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu délaisses ta famille à cause de cette sale gamine qui n'a même pas l'âge de ta petite fille. Non, je ne peux pas me calmer. Tout à l'heure, je n'ai pas aimé l'attitude du vieux Drissa à tes côtés. Comment ça? Sache que malgré tout ce qu'il te donnera et fera pour toi, il n'aura pas ma fille. Quoi? Oui. Tant qu'il me restera un petit souffle de vie, ce mariage-là n'aura pas lieu. Si tu me touches, je mets le feu à ton toit. Tout de suite. Quoi? Mettre le feu à mon nouveau toit? Touche-moi et tu verras. Bonjour. J'ai appris ce qui t'est arrivé, j'ai donc décidé de revenir. Tu as bien fait. Il faut conseiller ta coépouse. Elle perd la raison. C'est plutôt toi qui as perdu la tête. Ma décision est prise. Ce mariage n'aura pas lieu. Tu entends? C'est ce qu'on verra. Écoute, moi je t'en vais, sinon il y aura mort d'homme ici. Sache que je ne te laisserai pas faire, hein? J'espère pouvoir compter sur toi. Sita, essuie tes larmes. Je t'assure que ce mariage n'aura pas lieu. Tout ce qui est à notre pouvoir, ta mère et moi, pour l'empêcher. Pour qui ces hommes se prennent-ils? Hein? Cette fois-ci-là, ils ne l'emporteront pas facilement. Oui, je suis passée chercher ma drèche de Dolo. Ah, tu trouveras ton seau au même endroit. Je suis passée à la maison. Oui. Et on m'a dit que je vous trouverais ici. Bon. Je vous ai apporté quelques petits cadeaux. Voilà. C'est bien beau. Je ne peux pas les prendre. Je te demande de les remettre en main propre à mon mari. Bon, je le ferai dès ce soir. D'accord. Hé, hey, retourne avec ton tour de l'eau. Ah oui? Je t'apporte une nouvelle qui peut t'intéresser et tu me reçois de la sorte. Je m'en vais alors. Ah bon? Quelle nouvelle? Donne-moi d'abord du sucre. Non, Drissa, cette nouvelle vaut plus que ça. Je veux un paquet, moi. Alors, raconte d'abord ton histoire. Tu sais que le fiancé de Sita est arrivé? Ah bon? Je viens de le surprendre remettant beaucoup de cadeaux à Sita et à sa mère. Quoi? Oui, plein de cadeaux.
J'ai compris. Il faut donc continuer à le surveiller. En ce moment, tu me donnes mon paquet de sucre. Merci, Drissa. Et où tu vas là? Bonsoir. 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 Enfin, je vous ai apporté quelques présents. À vous, à vos deux femmes et à ma fiancée Sita. Je regrette, je ne peux les accepter. Je ne comprends pas. Après tant d'années sans donner de nouvelles, mais les choses évoluent là. J'ai été mis au courant de votre décision. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Ton avis ne compte pas ici. J'ai déjà pris ma décision. Vous avez pourtant accepté ma dot, non? Ta dot sera remboursée. Remboursée? Ah non. Je refuse. Ça ne se passera pas comme ça. Hey, sors de chez moi. En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. J'ai dit sors de chez moi. J'attendais un moment propice pour vous annoncer mon intention de prendre une cinquième épouse. Mais, vu la tournure des événements, ce n'est plus un secret pour personne. Aussi, je vous ai réunis pour vous confirmer que le mariage a lieu. Et dans quelques semaines, vous pouvez disposer. Nous avons compris. Ce mariage honteux n'aura pas lieu. C'est ce qu'on verra. Si c'est toi qui commandes, ou bien moi. Sita. En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. Quelle honte. Sita, quelle est ta décision? Tu me poses cette question? Tout dépend de toi. Je ferai ce que tu décideras. Est-ce qu'on pourra se voir ce soir? Je vais essayer. Je compte sur toi. Les enfants sont-ils couchés? Oui, oui, père. Et si t'as elle-même? Elle dort.
arrive. J'ai compris. Alors, ma belle, tu veux me laisser te marier au vieux Dusa, hein? Regarde-moi, ne suis pas meilleur parti pour toi que lui. Hein? Je suis parti. Habille à demain. Je vois avec mon argent. C'est mon hangar avant tout. C'est ce qu'on veut. Non. Deux tournées pour tout le monde. Ah. Bravo, bravo. Hey, ça, c'est un homme. Ah, c'est le divis de son pied. Hé, hey, dis-moi, tu le connais? Hey, aide-moi là, qui est-ce? C'est qui? Vous ne l'avez pas reconnu, non? C'est Adama. Ah. Adama. Le fils du vieux Brahma. C'est Adama. Donnez-lui la place et laissez-le boire d'abord. Laissez-le se désaltérer d'abord. Merci. Voilà. Il y a très longtemps que j'ai bu des si bons de l'eau. De quoi s'agit-il? On m'a offert une jeune fille en mariage. Je l'ai acceptée. Mais les choses se compliquent avec l'arrivée de son ex-fiancé et l'opposition de ma dernière femme à notre union. C'est pourquoi je viens me confier à toi. Considère cela comme une affaire déjà réglée. Quelles sont ces manières-là? Je n'aime pas ça, hein. Tu as vu ça? Quelle honte! Les jeunes d'aujourd'hui. Si celle-là était ma fille, je lui aurais brûlé le derrière. Hé, Drissa! Quel malheur! Quelle honte! Pendant que tu es en train de te tuer au travail ici, ta jeune fiancée est en train de se faire sauter tranquillement au marigot. Quoi? Je n'ai pas bien compris. Ah si, 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 tu as bien compris. Sita est en train de se faire sauter en plein jour par l'autre au marigot là-bas. Sita au marigot? Oui, je les ai vus.
Prenez tout ce que vous trouverez comme arme et suivez-moi. Dépêchez-vous, Mokhtar. Va vite avertir le père de cette dévergondée. Oui, nous les avons surpris, ces salauds, couchés l'un sur l'autre au bord du marigot. Quoi? Je suis couché sur ma fille? Et chose pire, ils avaient la bouche dans la bouche en se suçant et en émettant le gémissement comme des tourterelles. Ces chiens étaient en train de sucer ma fille. Avez-vous jamais vu ça? Et au bord du marigot? Vous êtes en retard, hein? C'est une preuve d'amour. Quelle preuve d'amour? C'est une mauvaise éducation. Un sacrilège. Mon Dieu, ils m'ont tué. Oui, ma fille. Approchez ici. Détachez l'aile. Vous savez pourquoi vous êtes ici? C'est vrai. Nous étions couchés l'un à côté de l'autre. Mais nous n'avons rien fait. C'est vrai. L'un à côté de l'autre. C'est faux. Drissa, le chef demande si tu es toujours prêt à prendre Sita comme épouse. Oui. Je suis prêt à la prendre comme épouse. Je la veux aujourd'hui et je la veux demain. Pas jamais. Je ne veux pas de lui aujourd'hui, je n'en veux pas demain. Silence. Qui t'a donné la parole? Elle a raison. Elle a le droit de donner son avis. C'est sa vie. Mais qui a demandé votre avis ici? Salfou, êtes-vous toujours d'accord pour donner votre fille en mariage au vieux Drissa? Chef, je n'ai qu'une seule parole. Ma fille Sita sera donnée à mon ami Drissa, tant que je serai son père. Moi non, tant que je serai sa mère. Je vous répète que je ne veux pas de ce mariage. Tu peux compter sur moi. Ce mariage n'aura pas lieu. Tu peux également compter sur moi. Sur moi aussi. Depuis quand votre avis compte-t-il? Bon, la fille sera gardée chez le petit frère de Drissa jusqu'à la semaine prochaine où aura lieu le mariage. Quant à toi, Adama, tu es condamné à offrir un bouc et un coq tout blanc pour purifier le marigot. Après cela, qu'on ne te voit plus rôder autour de Sita. La séance est levée. Akai, quel mari! Je ne te savais pas si peureux. Qui peureux? Moi peureux? Tu es peureux. Et ça suffit, Abby. Tu n'as pas vu leur nom? Tu n'as pas vu comment ils étaient armés? Ils ont failli me tuer, ces brutes. Que pouvons-nous faire pour empêcher ce mariage? As-tu assez de couilles pour ça? Abby, ne m'insulte pas, je suis très sérieux.
Que pouvons-nous faire pour empêcher ce mariage et comment allons-nous procéder? D'abord, il faut te calmer. Et file remettre ton bouc et ton coq et pour ne pas réveiller de soupçons. Mais en attendant, le temps passe et les préparatifs du mariage avancent. Bon, et je vais de ce pas en parler à la mère de Sita. Nous ne pouvons rien entreprendre sans son avis. Hein? Entendu. Allez, file rapidement payer ta dette de cul. Hein? Vas-y. Ne recommence plus ce que tu viens de faire. Si tu veux pas que j'accouche plus tôt que prévu. On a tout pour longtemps encore avec ce ventre. Non, c'est pour bientôt. Ah oui. Tu ne serais tellement pas venue ici pour me demander quand j'accouche? Bien sûr que non. J'arrive de chez Fatou où nous avons longuement discuté du mariage de Sita. Alors vous êtes enfin décidé à accepter la situation? Pas du tout. Nous sommes plutôt décidés à empêcher ce mariage. Ça alors, quelle détermination! La seule personne pouvant nous aider à réussir cette mission, c'est toi. Hein? Toi seul qui as l'autorisation d'approcher Sita. Comment ça? Tu ne peux ranger les biais que les Grigri ont vus. Ah, sinon ils vont se fâcher. Très bien. Quelque chose de très grave a troublé ton cœur. Ta quiétude. C'est vrai. Mon mari veut prendre une nouvelle femme. Inutile de continuer. J'ai tout vu. Voilà. Ton problème est délicat et très compliqué à résoudre. Il faut empêcher ce mariage à tout prix. Ça va être compliqué. Mais pas impossible. Avec Soudibi, il n'y a rien d'impossible. Tu as deux solutions au choix. Quelles sont ces deux solutions? Première solution. J'élimine ta rivale par empoisonnement mystique. Solution très rapide et radicale. Non, je refuse cette solution. Et quelle est l'autre? L'autre, la voilà. Elle est plus compliquée, plus lente et plus chère. Je vous écoute. Il faut que tu ajoutes l'argent. Et tu donnes le pain que tu as porté. Alors, ça va? Ça va très bien. Drissa, la place. Après. Les bonnes surprises se font à chaud et debout. Ça c'est vrai. Appelle ta femme. Hé, hey, Fatou, viens vite. Viens. Drissa. Ça va? Ça va. Voilà. Et les habits et les bijoux, c'est pour ma belle-mère. Oh. Et pour toi? Et tu as ici quelques billets de 10 000. Et quant à votre fille, je ne vous dirai pas ce que je lui réserve. Voilà ma surprise. Ah,
Drissa, pour une surprise, ça en est une. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Je ne suis pas à vendre. Comment ça? Au lieu de le remercier pour le cadeau qu'il te fait, c'est tout ce que tu trouves à dire? Remercie-le, si tu veux. Je n'en veux pas. Drissa, ne t'en fais pas. Je vais régler cette affaire-là immédiatement et de la façon la plus radicale. Ça vaudra mieux. Arrête de trembler là. Tu as peur ou quoi? Qui? Peur? Ah, si tu regrettes, il n'est toujours pas tard. On peut arrêter le processus. Arrêter le processus? Non. C'est pas la peur. C'est l'émotion. Ah, pour cela, ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Merci. Ne nous honnis surtout pas. Confiance. Je vous ai donné ma parole. Ah. Lève-toi. Pose-toi la bouche. Sois sage avec lui et tu verras tout ce qui sera très bien. Waouh! Tout se passera bien. Tu verras. Abby, va vite chercher la coucheuse. J'arrive tout de suite. Tu crois? Ne reste pas debout. Assieds-toi. Assieds-toi. Ne sois pas triste comme ça. Avec moi, tu seras la femme la plus heureuse de ce village. Tiens.
Pousse, pousse, pousse fort, pousse fort. Écarte bien les jambes, écarte bien. N'aie pas peur, ce n'est que l'entrée en matière. Tu en auras d'autres et tu seras la femme la plus belle et la plus heureuse de cette région. Pourrais-je aller aux toilettes? Je te promets qu'après ça, je ferai ce que tu veux. C'est vrai ça? Tu ne me flattes pas les oreilles? Pas du tout. Pourrais-je avoir la lampe torche? Et attends-la sagement dans ton coin pour me la ramener. Seigneur, ah, c'est une belle journée aujourd'hui. Si tu t'es marié avec Drissa, Zenab aussi vient de me donner un beau bébé. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce temps pour se soulager? Colo! 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 Va voir ce que fait ma femme aux toilettes. Elle vient ou elle ne vient pas, ma femme? Elle a disparu. Elle a... Comment? Elle a disparu. Mais comment peut-elle disparaître? Où peut-elle aller? Hein?
ma nouvelle femme a disparu. Quoi? C'est pas possible. Prenez tout ce que vous pouvez trouver comme arme et suivez-moi. Dépêchez-vous. Hey, ce n'est pas pour chercher cette gamine-là que tu t'habilles comme ça. Toi, ne me provoque pas. Hey, ce n'est pas moi qui ai fait fuir ta femme. Hein? Ce n'est pas exclu. Tu crois qu'elle est bête pour se marier à un vieux polygame comme toi? Vieux polygame, moi? Oui. Tu oses me juger? Allons plutôt chercher Sita. C'est bien fait pour toi. Père de Sita. Père de Sita. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Il y a des choses qui se passent dehors. Il n'y a rien dehors. Tu as dû rêver. Non, écoute bien. On dirait des gens qui marchent dehors. Si tu as des insomnies, moi je n'en ai pas. S'il te plaît, Fatou, laisse-moi dormir. Mes armes. Là, derrière la couchette. Sortez tous doucement. Il ne sera fait mal à personne. Ta fille a été mal éduquée. C'est la pluie. Je ne te permets pas de m'insulter. Cela mérite plus qu'une insulte. Si tu es un homme, dépose ton fusil. On s'affronte d'homme à homme. Si je l'ai acheté, c'est pour pouvoir m'en servir. Et puis ça suffit. Tu ne vas pas le laisser faire. Tu es chez toi ici. Oh, tu crois moi je suis fou, tu vois pas qu'ils sont armés? Ah, au moins tu es sage. Je suis venu chercher ma femme qui a fui. Oui, ce n'est pas une raison de nous menacer de la sorte. C'est une raison plus que valable. Oui, si tu as pu fuir, quel courage. J'espère que vous ne la rattraperez jamais. Que dis-tu? Répète ça encore que je te fous une balle dans la tête. Fouillez partout. Fouillez. Je suis désolé. Personne n'entre ici. Écarte-toi de là. C'est moi-même qui vais fouiller cette case. Tu ne peux pas entrer ici. Ma femme qui vient d'accoucher s'y trouve. Essaye de m'en empêcher et tu verras. Bonne arrivée. Je ne savais pas que tu avais des qualités d'accoucheur. Mais je crois que tu es un peu en retard. Il y a du bruit là. Tu n'entends pas? Méfie-toi. Nous sommes à la recherche de ton malfrat de fils. Je ne vous permets pas d'insulter mon fils. Il mérite autre chose qu'une insulte. D'abord, qui êtes-vous? Qu'a-t-il fait? Je le soupçonne d'avoir enlevé ma femme Sita. Je savais que cette histoire de Sita ne nous amènerait que des ennuis. Où est-il? Il n'est pas là. Fouillez partout. Bonjour, bonjour. Bonjour, et à la maison.
ça va vraiment. Vous n'avez pas appris la nouvelle? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte. La nouvelle femme du vieux Driss a fui. Quoi? C'est pas possible. Quand? Vous n'avez pas remarqué les différentes allées et venues de toute la famille du vieux après la fête? Comment voulais-tu que l'on voit ça? Après tout ce que nous avons mangé, bu et dansé, nous étions complètement KO. Raconte-nous ce qui s'est passé. Il paraît que c'était chaud. Quand les accompagnatrices Koro et puis la troisième femme du vieux Issa, comment s'appelle-t-elle encore? Salamata. Voilà. Donc quand Koro et Salah ont accompagné la nouvelle mariée, mais bien sûr après la fête, le vieux voulait... Et alors, la suite? Tu sais que ça n'a pas marché. Un vieux comme ça, ça n'a pas marché. Et alors une lutte s'est engagée entre eux. Au cours de laquelle la petite a fui. Mon Dieu. Elle s'est échappée. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ne l'ont pas rattrapée. Quelle histoire! Elle est partie. Il paraît que la fille a tellement travaillé le vieux qu'il s'est mis à ronfler la bouche grande ouverte comme ça. Hé, type! Dis-moi là, tu étais là-bas? Écoute, ne me traite pas de menteur, sinon je te rentre dedans tout de suite. Si tu ne mens pas, dis-nous qui t'a raconté ça. Ben, c'est Amadou, le fils du vieux Driss. Hein. C'est Amadou? Tu peux continuer. Hein. Donc, le vieux était si épuisé qu'il s'était mis à ronfler la bouche grande ouverte comme ça. Et la fille, elle se lève sur la pointe des pieds, ouvre la porte et paf! Elle est perdue. Et les deux gardiennes alors? Les deux gardiennes? Ne m'en parle pas de ces deux-là. Il paraît qu'elles avaient tellement bu qu'elles osaient ronfler la bouche grande ouverte. Alors, et il paraît qu'il y en a une qui avait pipi sur sa nage. Je maintiens ce que j'ai déjà dit. Salifou et le père de ce vaurien d'Adama doivent savoir plus qu'ils ne disent. Encore une fois, tu me déçois, Driss. L'amour que tu as pour ma fille te fait perdre tous tes esprits. Ce n'est pas une question d'amour, mais d'honneur. Ta fille veut bafouer l'honneur que j'ai acquis dans toute cette région au prix de 1000 sacrifices. Ça, jamais. Je ne deviendrai pas la risée de ce village. Chef, je regrette sincèrement tout ce qui est arrivé. Mais je n'y suis pour rien. Ah, vous l'entendez? Il dit qu'il n'y est pour rien. Si tu avais bien éduqué ta fille, ceci ne serait pas arrivé. Je ne répondrai pas à ton insulte. Tu ne peux pas répondre, parce qu'on ne peut pas déformer la vérité. Moi aussi, je regrette vraiment tout ce qui est arrivé. Toi, tu la fermes. Tu l'ouvriras seulement quand on te le demandera. Chef, dites à Driss que nous ne sommes pour rien dans la fugue de sa femme. Et je souhaiterais qu'il nous parle avec plus de respect. Toi, tu es tenu de ramener ta fille chez son mari, dans les meilleurs délais. Quant à toi, tu resteras à notre disposition jusqu'au règlement final de cette histoire. Ce n'est pas cette histoire qui me fera quitter le village. Carte d'identité, vite là. Mais ta pièce est périmée. Là-bas, ça fait 2000 francs. Toi, ta carte d'identité. Là-bas. Carte d'identité. Je l'ai égarée. Ça marche pas avec moi. Là-bas, 2000 francs. Votre pièce d'identité. La jeune fille, ta pièce d'identité. Chef, c'est ma petite sœur. Je l'amène chez mon grand frère en ville pour s'occuper de son ménage. Et elle est mineure et puis elle n'a pas l'âge de faire la quarantité. Montre-moi son acte de naissance. Je vous jure, chef, je l'ai oublié au village et ça ne se produira plus. Là-bas, ça fait 2000 francs. Sidibé, ton travail a bien marché.
La fille a fui. Je t'avais bien dit que c'était une petite affaire. Voilà, ça c'est pour toi. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous êtes là? Oui. Soyez la bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. C'est la fille en question? Oui, c'est elle. Ah, elle est vraiment belle. Mais venez, on va aller chercher quelque chose pour manger. Oui. Puisque le départ se sera pour ce soir. Mais vous, faites attention. Garde à vous, si vous n'éclatez pas bien les poulets. Drissa, approche, s'il te plaît. Quoi encore? Je voulais te dire de te méfier de ta femme Téné. Elle fréquente assidûment la case du féticheur. Ah bon? Et c'est maintenant que tu me dis ça? Mieux vaut tard que jamais. Et puis après, tu n'avais même pas le temps. Aussi occupé que tu l'étais pour ton mariage. Ah, occupé, occupé. Ne raconte pas de bêtises. Ça, c'est une information qui ne pouvait pas attendre. Excuse-moi, Drissa, mais je crois que le féticheur doit... Oh, féticheur, laisse tomber ce malfrat de féticheur. Escroc, tu m'as trompé, hein? Comment ça? Tu as respecté toutes les consignes? Que crois-tu? Ça ne va pas? Non, ça ne va pas du tout. Pas de panique. Viens t'asseoir et explique-moi ce qui ne va pas. Hein? Viens. Tu peux parler sans crainte. C'est une amie qui vient de la ville. Elle est déjà au courant. Bonne arrivée. Merci. Oh, ça va. Vous allez vous saluer et faire connaissance plus tard. Raconte. C'est pas ce peureux de Salifou-là. Hein? Il a accepté d'aller à la recherche de Sita. Tu penses qu'il pouvait faire autrement? À sa place, je refuserai. Ce n'est pas possible, puisqu'il est consentant. Après tout ce qu'a dit et fait Drissa, c'est inacceptable. Vous savez, on n'a jamais fini de découvrir les hommes, même après plusieurs années de mariage. Vous avez parfaitement raison. Mais en attendant, que pouvons-nous faire? Attendre et réfléchir. Et si on allait voir un sorcier? J'en connais. Peut-être que... Pas question. Vous allez réfléchir et vous organiser comme nous en ville. Comment ça? Je vous expliquerai après. On est presque arrivé. C'est ici. C'est sans plantation. Regarde comme c'est beau. Je suis venu chercher ma fille. Je regrette. Elle ne bougera pas d'ici. Quoi? Non. Je n'ai pas. Ne me suis pas. Laissez-le. C'est le père de Sita.
Bonne arrivée parmi nous, papa. Bonne arrivée. Merci. On s'attendait à votre arrivée, mais pas comme ça. Conduisez-le au village, il doit avoir faim et soif. Je vous remercie d'être venu pour cette réunion. Notre papa, nous ne sommes pas surpris de votre arrivée. Car Adama et Sita nous avaient tout raconté. En leur nom, au nom de tous les travailleurs et des femmes, nous vous demandons pardon. Vous resterez quelques jours avec nous, le temps de vous remettre de votre voyage. Pour oublier tout cela, nous organisons une fête pour vous souhaiter une bonne arrivée et un bon séjour parmi nous. Le délégué m'a dit que tu veux rentrer définitivement. Oui. Adama est un grand travailleur. C'est un des meilleurs ouvriers de la région. Il réussira au village, c'est sûr. En tout cas, je suis content de vous l'entendre dire. Cependant, je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour mon comportement du jour de mon arrivée. Ok. Tu t'es tout excusé? À ta place, je ferai autant. Et puis, tu t'es racheté les quelques jours que tu as passé avec eux. Ne sois pas surpris. Tout ce qui se passe ici, je suis au courant à la minute et au détail près. Hey, pressez-vous un peu là, s'il vous plaît. Vous m'excusez, je vais voir Adama. J'arrive. J'ai visité ta plantation. Elle est très satisfaisante. Mais je n'ai que te donner ceci. Pressez-vous, pressez-vous. Je vous ai dit, Jésus. Mais patron, la récolte faudra beaucoup plus que ça. Adama, tu connais bien la nature. Il suffit de rien pour que la récolte soit mauvaise. En plus, on ne sait pas combien sera achetée la banane cette année. Bon. Je prends. Bonsoir, Drissa. Bonsoir. Bonsoir. Tenez, apporte un escabeau pour maman. Non, merci, je ne vais pas m'asseoir. Je suis juste passé pour te faire une commission. Eh bien, vas-y. Je suis chez moi, je suis le chef, je n'ai rien à cacher. C'était pour te dire que le vieux Salfo est de retour avec sa fille Sita. Ah? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Adama aussi. Adama est de retour. Je te remercie de m'avoir informé à temps. Je te verrai plus tard. Je dois voir le chef afin qu'il tranche définitivement cette affaire. Salam alaikum. Malaikum salam. Assois-toi. Tu as encore des problèmes à cause de ta nouvelle femme? Chef, il y a plus que ça. Ils sont revenus. Sita, son père et ce chenapan d'Adama. Je sens que si je ne me maîtrise pas, je vais faire un malheur.
Pas de bêtises surtout. Je veux convoquer le tribunal pour demain matin. Bien. Mais en reconnaissance de notre amitié, j'espère que tu vas trancher en ma faveur. Je ferai ce que je peux. Mais tu sais que ça ne serait pas facile avec toutes ces femmes qui s'opposent à cette union. Oh, tu ne vas pas te laisser intimider par ces femmes. Nous t'attendons. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu as bien compris. Ou tu renonces à ce mariage ou nous partons. Foutez-moi les camps! Allez-vous-en! Et ne revenez plus jamais ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que ça ne va pas là. Notre mari a perdu la tête à cause de cette gamine. Tenez, calme-toi. Me calmer. Tu entends ça? Elle me demande de me calmer. Pendant qu'il vient de nous renvoyer. Et dès demain, cette gamine viendra prendre nos places. Elle a raison. Calme-toi et écoute-moi bien. Je suis là justement pour ça. Tu es là pour ça? Hey, approchez. Madame Makouloya. Bonsoir, la vie. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Avez-vous appris le retour de Salfou, Sita et Adama? Non. Dès demain matin de bonne heure, Sita et Adama seront jugés. Haya, que comptez-vous faire? Rien. Que pouvons-nous faire? Ah bon? En tout cas, nous les femmes du village avons décidé de réagir. Nous lutterons contre cette honteuse union entre le vieux Drissa et Sita. Et vous, resterez-vous ainsi? Pensez à votre ami Adama. Mettez-vous à sa place. Amoureux ou pas, où est votre protecteur? Hey, bonsoir. 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 Tous ces événements m'ont donné soif. Abi, donne-moi à boire. Quel événement? Comment? Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Le vieux Salfo est revenu avec sa fille Sita. Ah. Et pire encore, Adama est revenu. Ça va chauffer demain. Vous allez voir. Oui, oui, ça va chauffer demain. Ça va chauffer. C'est à cause des gens comme vous que le village prenne feu. Sale rapporteuse là. Regardez-moi ça. Écoute, Abby, je ne te le permets pas. Tu as compris? Je ne t'ai pas parlé. Hein. Si tu me provoques, tu vas me connaître des... Tu oses venir dans mon cabaret et tu dis que tu ne m'as pas parlé? Vas-y, oui. Écoute, tu es la seule qui va me parler. Assieds-toi. Oh! Oh, mon ton palais, là, c'est pas avec moi. Assieds-toi. On ne voit plus demain, non? Vous, les femmes, là, vous nous cassez les oreilles. Le problème, c'est Sita... Adama et le vieux Drissa. Ah. Ah. Za a raison. Ce vieux-là exagère. Adama est un homme. Voilà. Revenu se jeter dans la gueule du loup, il me plaît. Il faut qu'on l'aide. L'aider? Oui. Comment ça? C'est vrai. Comment pouvons-nous l'aider? Nous irons tous au jugement. Ah. Et si ça tourne mal, on provoque la bagarre. Ouais. Pas de bagarre, pas de bagarre. Hein. 3 ans, tu aimes trop la bagarre. Il faut que tu apprennes à te maîtriser. Oh. Ah bah, hein? Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? Nous irons tous au jugement. Nous supportons purement et simplement Sita et Adama dans le calme, mais fermement. Ou bien? C'est bon. Bon. Je suis d'accord avec Abby. Moi aussi, je suis d'accord. Hey. Toi, la rapporteuse, qu'est-ce que tu dis?
Je n'aime pas ça, il ne faut pas me provoquer, hein, tu as compris. Ok, ça y est, je marche avec vous là. Gare à toi si tu nous trahis. Non seulement, tu ne mettras plus pied dans ce cabaret. Et en plus, le village sera petit pour toi. C'est juré. Je marche avec vous. Vous faites cela. Ah. J'offre deux bonnes tournées à tout le monde. Ce petit malfrat mérite un châtiment exemplaire. Je t'interdis de m'insulter. Je ne suis pas un malfrat. S'il vous plaît, Drissa, cessez d'insulter et laissez le chef faire son travail. Toi, tu la fermes jusqu'à ce qu'on te dise de l'ouvrir. Sinon, je te flanque une raclée. Essaye et tu verras. Je vous ai bien dit. Hein? Si ça tourne mal, on provoque la bagarre. Hey, faites-vous là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous a invité ici? Qui les a invités ici? Vous les femmes, retournez à vos cuisines. Quant à vous garçons, retournez à vos occupations. Ici n'est pas votre place. Mais chef, fais ton devoir. Il faut les chasser. Nous ne bougerons pas d'ici. Nous assisterons à ce jugement, car c'est notre jugement. Ah oui, ah oui. Nous supportons Sita. Nous aussi, nous ne bougerons pas d'ici, car nous sommes avec Adama. C'est notre jugement. Alors, chef, fais ton devoir. Il faut les renvoyer. Le chef dit qu'il ne sait pas qui a invité les femmes et les jeunes ici. Mais que leur présence ici ne change rien. Le jugement peut continuer. Même si je dois me tuer, je préfère la mort que de vivre avec mon grand-père comme mari. Depuis quand demande-t-on l'avis d'une femme pour son mariage? De toute façon, grand-père ou pas, tu seras ma femme. Je vous annonce que j'ai un début de grossesse de Adama. D'après la coutume, l'enfant et la femme m'appartiennent. Ça suffit comme ça avec vos coutumes. Coutume, coutume. Vous n'avez pas honte. Chef, pour que ma femme et mon enfant reviennent à ce vieux, il faudra d'abord qu'on me tue. Car je refuserai cela jusqu'à mon dernier souffle. Bon, le chef dit qu'après avoir écouté tout un chacun, la tendance générale est que la femme revienne à Adama. Ah, 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 mais celui-là et le père de la femme auront-ils les moyens de rembourser la dot? Je refuse ce verdict. Et même si j'acceptais, comment feront-ils pour avoir tout cet argent? Nous trouverons cette somme. Même si toutes les femmes du village doivent cotiser. C'est moi qui ai dépensé cette dot, c'est moi qui la rembourse. Tiens. Voilà. Et puis, si tu viens là, ma fille, je la donne désormais à Adama. Et sans dot cette fois-ci. Voilà. Mais ce n'est pas possible. Comment as-tu fait pour avoir tout cet argent? Tu l'as volé sans doute. Ne m'insulte pas, sinon ça va chauffer tout de suite. Tu entends? Tu m'as assez offensé. Mais tout le monde sait que tu as dépensé toute la dot que je t'ai donnée. Et moi, je ne savais pas que tu étais un voleur. Silence! Silence là! Ça suffit. J'ai toujours dit que je ne voulais pas d'histoire dans ce mariage. Voilà ma décision. À partir de cet instant, Sita est donnée à Adama comme femme.
Salvo. Que la fête soit belle. Non! Mais t'es fou, non? Imbécile! Attrapez-le! Ce mariage n'aura pas lieu. Quoi? Ou tu renonces à ce mariage ou nous partons. Foutez-moi les camps! Je suis venu chercher ma fille. Je regrette. Elle ne touchera pas du tout. Quoi? Non, je n'ai pas. Ne me suis pas. Oh, attends-moi, attends-moi.